Il est ici, but. Ouverture du score dès la troisième minute en faveur de la Fiorentina de Paulo Sousa. 1-0 sur la pelouse de l'Inter. Ah, et quel moment compliqué. Et voilà, il était parti côté gauche. Il était bien parti. Pourtant, Samir Handanovic. À droite, Blazikowski préfère repiquer sur son pied gauche. Elisic va vouloir frapper. Elle s'est cadrée, l'envolée, le but. Il y est le but. Et ça fait 2-0. Oh, le moment terrible. Alors à qui on va l'accorder ce but? Est-ce qu'on va l'accorder à Elisic s'il était rentré, ou est-ce que c'est Samir Handanovic en le touchant qui va le mettre dans son propre camp? Regardez, Elisic, la frappe, elle est superbe. Le ballon qui flotte dans les airs. Et il a touché à Kalinic. C'est Kalinic, le ballon n'avait pas franchi la ligne avant. Et il n'y avait pas de position de hors-jeu au départ, il avait bien suivi. Et ça fait 2-0 après 18 minutes de jeu dans cette première période. Et pourtant la parade était belle, il n'a pas le temps de se relever. Kalinic n'a plus qu'à glisser ce ballon. Et oui, monsieur Sousa, que se passe-t-il? La Fiorentina mène 2-0 ici. Et ses accélérations avec un grand pont d'Alonso, le centre d'Alonso. Et le 3-0 de Nikola Kalinic. Et ben on l'a dit, gêné dans les côtés une nouvelle fois. C'est prouvé sur ce rush emmené par Marco Alonso l'Espagnol. Le Croate Nikola Kalinic s'offre un doublé, son premier en Serie A. Ça fait 3-0 chez l'ancien leader, parce qu'à l'heure où nous parlons, c'est bien la Fiorentina qui revient à égalité de points, mais avec une meilleure différence de but face à l'Inter. Ça fait 3-0. Oh, c'est magnifique, hein, l'accélération. Alors, on l'a vu depuis deux saisons, hein, sous le maillot de la Fiorentina, faire ce genre de montée. Marco Alonso, très efficace dans les couloirs. Et Kalinic en vrai renard et chasseur de Nerazzurri. Mais les accélérations sont terribles de l'autre côté avec Joao. Oui, il peut jouer au Miranda dans ce duel avec Kalinic. Et c'est rouge, ben oui, rouge exclusion. Rien ne marche à un quart d'heure de la fin de cette première période. 3 buts encaissés, un pénalty pour commencer. Et un rouge en tant que dernier défenseur pour le Brésilien, Joao Miranda, qui est allé déstabiliser Nikola Kalinic, battu à la course. On va le revoir, la grosse accélération. Eh oui, et là, la main droite, la main gauche. C'est logique pour Joao Miranda. De Cyprien Tatarusano. Télès pour mettre ce ballon dans la surface de la Fiorentina. Icardi le poteau, Icardi est but. Et ben voilà, sur un coup de pied arrêté, la donne peut changer et l'Inter peut se relancer. Qui sait, 3-1 à l'heure de jeu sur ce coup franc de Télès. Mauro Icardi, deuxième but de la saison pour son 50e match sous le maillot de l'Inter. Ça fait 3. Kalinic, Ilicic, le contrôle. Bon, Kalinic, et but. Et ben voilà, le 4e but inscrit par cette équipe. Ça fait 3. Mais oui, pour monsieur Nikola Kalinic, le dernier joueur à avoir inscrit un triplé ici sur la pelouse de Meazza. C'est le Suédois Albin Ekdal avec Cagliari le 28 septembre 2014. Ça fait tout juste un an. Eh bien, il perdait 4-0 les joueurs de l'Inter. Et là, ça fait 4-1. Là, c'est, je pense, le coup de massue définitif pour l'Inter. Il y a même pas mal de supporters qui commencent à déserter Giuseppe Meazza.